Easter, Thunder, The Great, Volkanovski. On nous parle de son fight IQ, on nous parle de sauter, un coup de pied sauté, ou je sais plus, c'était un coup de genou, coup de pied sauté qu'il avait mis KO André Filia, et voilà. Au sol. Ça, c'est très bien de la part de Volkanovski. Le premier réflexe de Rodriguez, c'est de tout verrouiller, hein. Vous l'avez vu. Volkanovski qui va essayer de pousser contre le grillage. Est-ce que Rodriguez va s'en servir pour essayer de se relever? Il ne veut pas se retrouver la tête dans le grillage hier, Rodriguez. C'est bien ce que fait avec sa tête la pression. Contrôle, bataille de tête pour Volkanovski. Quelques frappes maintenant, ground and pound. On commence au corps, on remonte à la tête. Classique. Ah, donc une bonne position de contrôle là pour Volkanovski. Il est dans la garde fermée de son adversaire. Mais joue en sa faveur. En plus, il frappe, puis, il peut occasionner. Ouais, bras tête. Et regardez, il est en train de dégager sa jambe dans le même temps, de l'autre côté. Rodriguez qui a bien réagi, hein, parce que c'était pas forcément la bonne défense. En tout cas, il fait le taf hein, pour l'instant, Volkanovski. On sent qu'il a mis au point une stratégie pour contrer le jeu de Rodriguez. Il l'applique. Il veut l'épuiser. Oui. Et puis les contrôles au sol comme ça en étant au-dessus, c'est pas mal. Et puis est-ce que... Voilà, le jeu de Rodriguez est très offensif, mais une fois sur le dos dans cette position, il y a moins d'options. Il y a beaucoup moins de jeu une fois sur le dos, forcément. Il essaie de soulever encore une fois Volkanovski. Il l'a récupéré dans la garde. Quelques coups de coude d'en dessous. Bah, le round est perdu quoi qu'il arrive hein, pour le combattant mexicain. Donc s'il avait pu ouvrir, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. S'il avait pu ouvrir avec ses coups de coude d'en dessous Volkanovski avant la fin du round, pas sur cette action. Oh, il a touché la sœur. Et c'est bon. C'est fait. Il essaie de prendre le dos. Alors, et en front kick pour l'instant hier Rodriguez. C'est le high kick maintenant derrière. C'est bon, trois coups ponctués par un low kick très bas. Oh là là, la combinaison magnifique de Rodriguez. Qui pour moi. C'est le moment où t'as dit pour moi. Je commençais à lui donner un peu de. Je pense qu'il était branlé, je pense qu'il était secoué. Ouais, il a été secoué sur l'échange. Là, il défend même plus, hein. Là, il a besoin de récupérer. Là, il n'y a pas de défense, il accélère. Volkanovski peut être arrêté. Il peut être arrêté. Ou 3. Grosse accélération du champion. Il va être arrêté, il n'y a pas de défense cohérente. Il n'y a pas de défense cohérente. Ouais, c'est terminé, Volkanovski s'impose. Waouh. Il y a un coup qui l'a sonné à un moment. Il y a un coup qui a fait mal. Ouais. Il y a un coup qui a fait mal, on va revoir ça, on va le revoir. On va revoir. Oh, il a ce crochet. Ouh là là, il l'a connecté. Ah, là, c'est celui-là. Ouh là là, il a du mal à s'en remettre. Elle a beau dire que ça va. Champion of the world, Alexander the Great Volkanovski.